Préparez le passage au courant de ce fleuve humain. Quelle digue a jamais contenu l'invincible glaçon de la mer? Ainsi déferlera l'armée des Perses sans résistance. Les armées de Xerxès ont été arrêtées pendant quelque temps et cela a permis à Thémistocle et à la flotte athénienne de mieux se préparer pour la bataille décisive de Salamine. Par conséquent, je crois, moi, que le sacrifice des Spartiates n'a pas été inutile. Même si c'est une royauté, même si c'est un régime militaire, même si c'est un régime où les hommes vivent pour la guerre, il reste, et c'est une chose très importante pour les guerres médiques et pour la bataille des Thermopyles, que c'est une cité libre qui a un sens aigu de la liberté des citoyens et que c'est très nettement ce qui oppose les cités grecques unis ou non, au régime de Xerxès.
n'y a pas d'écrivain de Sparte, ni d'historien de Sparte. Et alors, c'est un des aspects par où apparaît cette union grecque qui se forme là, c'est que ces exploits de Léonidas sont connus par des écrivains d'autres cités grecques, parce que à ce moment-là, ça a été pour la Grèce et que probablement les Grecs ont pris conscience de leur unité à ce moment-là. Nous avons un peu tendance à oublier aujourd'hui que, par exemple, les hommes de la Révolution française songeaient constamment à Sparte, n'est-ce pas ? Ils songeaient à Sparte à travers Plutarque, d'ailleurs, et ils essayaient de se modeler autant que possible sur les héros de Lacédémone.